welcome to the midday bilingual news. I'm Caroline Okier Anoma. Bonjour, Mohamed. Bonjour, Caroline. You have the headlines. Où que vous soyez, elle vous accompagne. La radio est réglée sur la fréquence de l'évolution, de l'innovation et de la connexion. Le média de l'immédiat est célébré ce 13 février à travers le monde à l'écran du 12h des images de radio. Les élèves et les femmes rurales du Mayoré dans les bonnes grâces du Cercle des Amis du Cameroun, ils reçoivent en ce moment des dons généreux à Touboro. C'est à l'initiative de la première dame Chantal Biya, vous êtes sur la CRTV, Madame, Monsieur, c'est le bon endroit pour vous informer. Malgré nos efforts, despite our efforts, COVID-19 plunged many families into mourning and seriously hampered the functioning of our economy and society. Hello once again, I'm Caroline Okier Anoma. We begin this version of the Midday Bilingual News with the International Radio Day, which has... And for a start, we have a sports walk with the central director of the Yaounde Radio, who has been moving around with some journalists as well as a whole other body of people who are at the Parku Vita. But that match pass, as I'm told, is over. But we have excerpts of the central director's message with Beatrice Ngum. Take a listen. We at CRTV Radio, when I say CRTV Radio, it's not the national station. It's the 10 regions and the 7 FMs that we have. We at CRTV Radio, we thought that the World Radio Day should be an occasion for us to come together to celebrate the radio as the most widely spread medium of communication, but also to celebrate CRTV Radio as a radio that has been resilient in the face of all technological developments that you can imagine. Today we did sports exercises to be able to come together as a people, as a family, because as professionals we spend much of our time at work than at home. And so we have a responsibility to love each other, to be united, to be harmonious, and to have the same vision and look towards the same direction. So that is why we're organizing this World Radio Day at the radio, to say CRTV Radio remains at the top of the golden hours in Cameroon, in Central Africa, in the rest of Africa, in spite of the technological advancements that we have. And I should emphasize that the theme for this year's International Radio Day is New Radio, New Media. New World, New Radio. We now take you from the Central Region. We take you over to the West Region, where the Senate President Marcel Nyatunji-Fenji is now in good shape, and he was welcomed yesterday after a brief stay in Europe for health issues. Kelvin Wembo of our West Regional Bureau says the Senate President received a hilarious welcome and is happy to be home again. Take a listen. He has regained his health. His facial expression tells it all. The president of the Senate, Marcel Nyatunji-Fenji, was all smiles when he arrived his native Bangangte in the West region. He was given a warm welcome by West Governor Awafunga Augustine, accompanied by his close collaborators, the president of the Regional Council, Jules Hile Foka-Foka, as well as some members of parliament and municipal authorities. It's quite a long time. At least 2 months, we did not see him. So we are very happy that God helped him to get health. And so we thank God. We are very happy. We are very happy to see the Senate President. I think that he feels better now. No? An occasion for the governor of the West region to brief the president of the Senate on recent happenings in the region, including the Chancleaf accident, which claimed the lives of some 55 people. Well, we have some good news for you. Here at the Central Region, precisely at the Yaounde 6 municipality, they are announcing the birth of a quadruplet. We have that detail, the details of that report with our reporter from the Center Desk.
Take a listen. The set of quadruplets of two boys and two girls delivered by 30-year-old Marie Pascaline Mathieu Fofou 3 weeks ago in Yaoundé 6 received the visit of the Association of Groups from the West Region residing in Yaoundé 6 subdivision. During the visit, birth certificates were established to the babies by council officials and basic necessities like packets of baby diapers, cartons of soap, detergent, mineral water and foodstuff were offered to assist the parents. We got the good news that there is a birth of 4 babies here in this hospital. We are here today, first of all, to share in the joy of the birth of these babies. Secondly, to appreciate the hospital staff for the wonderful job they have been doing. And thirdly, to hand our widow's mite. We brought some gifts to hand it to the parents of the babies. The gesture that is very timely was much appreciated by the parents of the newborn. I am very happy about the gifts. I wish the gesture should awake the sympathy of other Cameroonians, especially the First Lady, Madame Chantal Biya, to come and assist us. 32-year-old Nzoye Melun, who hails from the Bambutos in the West Region, is a driver while the wife is a house help, and the couple before now had 3 children. With a family of 7 kids now, this couple say they are desperately in need of assistance from goodwill persons. Mion Sebucho, bienvenue dans ce monde. Dans l'actualité de ce samedi, le Cercle des Amis du Cameroun manifeste sa solidarité aux élèves et aux femmes rurales du département du Maïoré, région du Nord. Madame Bellobouba Aminatou, déléguée régionale du CERAC pour le Nord, préside en ce moment à Touboro la cérémonie de remise des dons à ces populations cibles. Bien avant cette cérémonie, les femmes du CERAC ont entretenu les jeunes de Touboro sur les valeurs civiques. La causerie éducative a également porté sur les mesures barrières contre la COVID-19. Ousmana Assanda, CRTV Nord. Au lendemain de la fête de la jeunesse, les jeunes du département du Maïoré continuent d'être au centre des préoccupations de la première dame du Cameroun. 300 élèves de 4 établissements scolaires répartis dans 6 salles de classe ont été sensibilisés sur différents thèmes. La santé a occupé une place de choix au cours de ces jeux questions-réponses. Les jeunes ont été entretenus sur le COVID-19 et sur le VIH-SIDA. Des sujets sensibles et souvent peu abordés par les parents, à l'instar de la sexualité et ces maladies, ont également été débattus. Les mamans du CERAC ont su trouver les mots et les attitudes appropriées permettant à leurs enfants de s'exprimer sans honte dans une ambiance bon enfant. Des jeunes appelés aussi à tourner le dos à la consommation des drogues et au comportement déviant ont promis d'être de vrais ambassadeurs de Madame Chantal Biya. En tant qu'élève, je promets à Chantal Biya de pouvoir conseiller les élèves, mes camarades, et pouvoir conseiller également ceux du quartier, ceux qui n'ont pas subi des éducations, ceux qui se livrent aux rapports non protégés. Le geste de cette dame de cœur, apprécié également par la communauté éducative. C'est un appui réel qu'il nous apporte aujourd'hui avec causerie éducative. Nous en avons souvent mené, mais aujourd'hui, les enfants seront certainement concernés parce que c'est des gens qui viennent d'ailleurs, c'est des grandes personnes que le CERAC a envoyées et nous tenons à les remercier. Dans l'agenda du CERAC, la remise ce samedi de dons aux femmes rurales et aux établissements scolaires du Maïoraï. Ce 13 février est commémorée la journée mondiale de la radio, une réflexion en fond sonore, nouveau monde, nouvelle radio, évolution, innovation, connexion. Après une semaine, la CRTV s'achemine vers l'apothéose des activités de cette 10e édition. Daniel Menanga. Vous avez dit connexion? La CRTV n'a jamais été aussi proche du monde. Illustration avec la radio. Après une semaine de commémoration des grandes voix, échauffement pour marquer l'évolution. La radio reste le média le plus écouté, le plus accessible partout dans le monde. Le plus proche aussi des gens. Que c'est la voix de ceux qui nous descendent voir. Et nous voulons dire au monde que la CRTV en particulier reste la meilleure radio, non
seulement au Cameroun, mais dans la sous-région. Histoire raconte, il était une fois un média vieux de plus d'un demi-siècle, mais qui évolue, innove. Lundi, nous allons primer les meilleurs professionnels de la série TV 2020. Les 10 stations et les 7 FM attachés à la radio. Nous avons aussi le corridor FM. Et ce corridor FM, c'est une couloir qui sera comme un musée de la radio. L'ouverture solennelle de la salle de rédaction radio. Cette fois, la radio CRTV donnera à voir, vous avez dit, évolution. Comment allez-vous dire « je t'aime » demain, 14 février, à votre âme sœur, certainement avec des mots, des gestes ou des présents. En tout cas, c'est la saison des bonnes affaires pour les commerçants à Yaoundé. Leurs comptoirs sont garnis de fleurs et de tableaux. Laurence Okalia a déjà fait son choix. C'est un cupidon qui tire son arc en direction de vos porte-monnaies. Aimer sans compter, c'est une devise qui sied parfaitement à la politique des commerçants de l'amour à Yaoundé. Tout pour faire parler d'amour dans tous les rayons, les fleurs riment avec sous-vêtements et les commerçants ont les cœurs dans les yeux. Ça passe très bien. Quand un client se place devant moi, j'essaie de lui convaincre et en lui proposant des choses un peu meilleures pour son gars. Moi, pour offrir, je veux donner quelque chose qui va peut-être comme un souvenir. Il ne faut pas donner quelque chose après, peut-être. Il va utiliser le parfum, ça va finir. Mais la montre, on ne refuse pas, ça peut se gâter. Il peut lancer une vieille montre en disant que c'est la montre que ma gars m'avait offert en 2021, 14 Saint-Valentin. Même là où l'amour ne se voit pas, il se fait ressentir. Il y a les femmes qui achètent, comme tout à l'heure, là, la femme dont vous avez trouvé, ouais. La femme en question demandait, elle m'a passé une commande. Elle veut deux t-shirts, en fait, oui. Pour elle, pour la Saint-Valentin, justement, on parle de la Saint-Valentin, n'est-ce pas? Ouais, elle veut deux t-shirts identiques, pour elle et pour son gars. Et pour enjoliver ses cadeaux, on peut compter sur Serge. Pour qui ça roule très bien. Il y a encore les amoureux chutés, non? Il y a les derniers rescapés. Tout le monde cherche le profit. Voilà, ça ressemble à quelque chose. Welcome back. We'll now take you to the northwest regions where hundreds of coronavirus cases have been detected. Reports say out of the 19 health districts, 18 of them have been tested positive. This has prompted a meeting with community leaders and health authorities to intensify the testing in various schools as well as the communities. We have details of this report with CRTV's Ola Titanki from the CRTV Bamenda. Take a listen. Hand washing, physical distancing, and mask wearing rules have been largely ignored by the population of the Northwest region. This outright disregard for COVID-19 preventive measures have resulted in the rating of the region by the Regional Delegate of Public Health as a COVID-19 red zone. We are treating 173 who are active cases. We've lost 81 persons. If you look at the case fatality rate, that gives us something around 7.5%, which is very high compared to the 1.5, which is the national value. In a swift and decisive response, authorities in the region have announced drastic measures, including massive COVID-19 testing in schools and other public spaces in all the 19 health districts of the region. We are going to take severe and important decision to oblige the population to respect the barrier measure. The public health delegate has requested for the full collaboration of the public to contain the threat posed by the COVID-19 pandemic in the Northwest. From the Northwest region, we take you over to the Southwest regions where there was no Youth Day march pass, but the youth in that region march for peace. They said all they're asking is for peace and the return of normalcy. We have details of that report with CRTV's Hombo Susie Monjoa. Take a listen. These young people have united under the association Southwest Youth League.
According to them, they have been dormant for a long time and cannot be leaders of tomorrow if they do not take active part in the development of the region. To the president of the association, the peace walk that took them to the governor's office was to transmit a message of awakening and their stand to accompany the administration in their drive to bring back peace to the region. We all are aware of the fact that the government cannot do it all. So we as youths, we want to start somewhere by creating the job opportunities for ourselves. We use this medium to plead to our brothers who are in the bushes that they should put reasoning ahead. They should join us in this endeavor. Let's fight to rebuild the Southwest region. The initiative has been appreciated by Southwest Governor Bena Okalia Bilai, who has congratulated the youths for making the move to come together to sensitize and take action towards development and their engagement to promote peace. After listening to the governor, the youths pledged to take up the challenges while imploring the authorities to get them involved so that together they can work towards regaining peace in the region. Now back to Yaoundé. Two police posts constructed by the Yaoundé City Council have been handed over to the Delegate General for National Security, Martin Bargangele. While handing over the security facilities to Bastos and Chinga neighborhoods, the Yaoundé City Mayor Luc Messi Atangana said it was his municipality's contribution to improve on security in the nation's capital. CRTV's Gerald Nyanje Eyambe tells us more. The newly constructed police post at Chinga and Rongpon Bastos are part of the city council's contribution to reinforce security in Yaoundé. While handing over the keys to the Delegate General for National Security, the city mayor of Yaoundé, Luc Messi Atangana, said the facilities are going to improve the working conditions of the police. I wish not to have any prisoner for these new cells, but I must acknowledge the fact that it will help ameliorate the conditions of those jailed. We want to thank the mayor of Yaoundé for the gesture. It will reinforce the police actions and greatly improve on the working conditions of the security forces. Police boss Martin Bargangele has called on his collaborators to use the edifice with care, as it will ensure the protection of the inhabitants of Yaoundé 2 municipality and their property. I urge you once again to put on your face masks, to wash your hands regularly, and to consult a physician or any other health personnel if you notice any symptoms. This is the only way to save lives and to curb the spread of the virus. Et dans la suite du 12 heures, une interrogation. Comment resserrer la ceinture sécuritaire autour de la région de l'extrême nord? C'est la principale préoccupation du ministre de l'administration territoriale. Paul Atanganji, en visite de travail à Maroua, a tenu une réunion avec les autorités locales. Enjeu: contrer les menaces terroristes de Boko Haram. Le point avec Augustin Guizana, l'envoyé spécial de la CRTV à Maroua. C'est une région de l'extrême nord secouée ces derniers temps par l'invasion des oiseaux granivores et pachydermes dévastateurs, ainsi que des incursions sporadiques de la secte Boko Haram passée au scanner. Il y a un phénomène nouveau qui s'installe, c'est les incursions de prédation. Donc nous avons des bandits de grand chemin qui vont dans les villages faire des raids pour voler du bétail. Nous avons envisagé, n'est-ce pas, des ripostes. Mais globalement, la région se relève progressivement de ces différents maux. Dans le secteur éducatif, sur les 144 écoles fermées en 2014 à l'éducation de base, 76 ont rouvert leurs portes dans le Logone-Chari et le Mayo-Sava. Aux enseignements secondaires, seuls deux établissements scolaires restent fermés dans le Mayo-Tanaga. Nous avons évoqué également le plan présidentiel de la reconstruction de la région de l'extrême nord. C'est un plan présidentiel qui se déroule normalement. J'ai constaté qu'il y a deux ou trois projets
qui étaient en arrêt, qui ont repris. C'est grâce à la synergie d'action entre les autorités administratives, les forces de défense et de sécurité et les populations. Le chef d'État parlait des comités de vigilance qui nous aident à la recherche du renseignement prévisionnel qui permet à nos forces de défense et de sécurité de bien identifier, de localiser l'ennemi. Une synergie d'action qui démontre aussi l'hospitalité de la région qui héberge depuis 2013 plus de 100 000 réfugiés nigérians. On annonce d'ailleurs dans les prochains jours le départ volontaire de 5 000 réfugiés. Parlons religion à présent. Je vous donnerai un cœur nouveau. C'est sous ce thème que se célèbrent les journées diocésaines des jeunes. La paroisse Saint-Pierre et Paul de Simbok sert de cadre à cette activité annuelle qui réunit autour de l'évêque métropolitain de Yaoundé de nombreux jeunes au programme de cette première journée, prière, procession et atelier. Toujours en religion, lecture et mémorisation des versets du Saint-Coran, c'est l'exercice auquel se livrent de nombreux fidèles musulmans. Les lauréats rivalisent d'adresse depuis ce matin. Le projet est porté par une association islamique dont l'objectif est de promouvoir les préceptes du Saint-Coran. Et Caroline, dans la suite du 12 heures, on parle du show annoncé de Fally Ipupa au Cameroun. You're right. Congolese-born singer Fally Ipupa is already in Cameroon to thrill fans on February 14. On music, we are being told that maybe we should continue with something else. What's the transition? We have something else on our monitor. Anyway, let's go ahead with Fally Ipupa. I guess that's what they want us to talk about. So as I was saying, Congolese-born singer Fally Ipupa is already in Cameroon for a live show this February 14 to thrill fans and music lovers on Lover's Day. Many other cultural activities will also be taking place around the country this weekend. CRTV's Victor Siga tells us more. Take a listen. Cameroonians, through Bao Energy Transformation, to the author, this can be a means to fight youth unemployment and poverty in Cameroon. Now we are talking about energy transition. We want, everywhere in the world, everybody is talking about energy transition due to improvement of it. We have the possibility here in Africa to make that energetic transition easily by going from conventional energy to bioenergy. That means we are multiplied by 25 the potential of agriculture and silviculture and so on and so forth. In the 114-page book, the author uses his life experience as petroleum engineer and graduate from the National School of Polytechnic. In the book, we explain how we can put it in place, how it can cost to conduct this type of project through community, because it's a project for community. The writer, through his concept bioemergence, campaigns for growth and human development in developing countries. Welcome back. We are sorry for that mix-up. We'll move up to something different now. The Director General of the Cameroon Radio Television Corporation, Charles Ndongo, has congratulated his collaborators for their outstanding results at the just-ended 2020 African Nations Championship. He was speaking in Studio One yesterday at the CRTV Production Center in Balato, where he also chaired an evaluation meeting with the various site managers of Bipanda, Japoma, Limbe, and Yaoundé. This was to take stock of the work done by the various teams and correct all the hitches for future endeavors. CRTV's Jamila Kadzala tells us more about the meeting. Take a listen. Applause for these staff who have won the trophy for the exclusive production of TV signal and content of the 2020 African Nations Championship. For such outstanding results, CRTV management is grateful. It has been teamwork all along, from administration to the technical and production units. The final victory is being evaluated. Minkom was a key player in CRTV's deployment and above anything else, it was Mincom that was acquiring all the material that we needed. We saw the support and the involvement of the minister and our board chair at various levels when we had difficulties to be able to push things to move.
The evaluation meeting in Studio 1 of the CRTV Production Center in Bala 2 is time enough for the various site managers, Bepanda, Japoma, Limbe and Yaoundé, to take stock of the work done by their teams and correct errors for future endeavors. Overall satisfaction with the advice we received from them, the support we received from them. I must say, at one time, or for a long time, we felt that at that level, there was serious doubt about CRTV's ability and willingness to work for the success of the project. The Director General might have given his collaborators an excellent mark at the just-ended African Nations Championship, but much is still expected from the cooperation before AFCON 2021 to be staged in 2022. La page magazine du 12h nous conduit à Lagdo, dans la région du Nord, une destination prisée par de nombreux touristes du fait des trésors que recèle cette localité. Là-bas, un bout de terre séduit particulièrement. Il s'agit de l'île aux Damans, un petit coin de paradis. Le guide ce midi se nomme Claver Pascal Danga, CRTV Nord. Très connu pour son barrage hydroélectrique, principale source d'approvisionnement en énergie de la partie septentrionale du Cameroun et même au-delà, la cité balnéaire de Lagdo abrite de nombreux trésors qui font d'elle une destination de rêve. Dans un décor de roches escarpées, sculptées à la perfection par la nature, nous embarquons d'ici le Lagan Bleu, un site touristique aménagé qui séduit des visiteurs. Il suffit de trouver les gens, les riverains qui ont leur bureau spécial. Ils vont vous faire traverser. La traversée qui s'effectue à bord de notre pirogue à moteur est bercée par la fraîcheur des eaux poissonneuses du lac Lagdo au milieu d'autres embarcations de fortune. Une dizaine de minutes et nous voici au bout d'une merveille, l'île aux Damans. La spécificité de ce site, c'est qu'on a les Damans, ce sont les animaux qui n'ont pas de queue, qui sont là, ce sont eux qui font l'image de cette île. Et il faut de la patience pour apercevoir ces petits rongeurs au sommet des montagnes qui se glissent rapidement sur la paroi des rochers et disparaissent dans des trous cachés au milieu des pierres. Tout autour, le ministère du Tourisme a réalisé des aménagements pour accueillir des visiteurs. Ça consiste à des bocalos et nous avons l'environnement qui est composé particulièrement par le fleuve. Des sites touristiques qui positionne la région du Nord comme une destination privilégiée. Caroline, c'est la fin de ce journal. You're right. Before you know, we wrap up this midday bilingual news. On behalf of the midday bilingual news, we will say thanks for watching. And if you miss out watching this news, you can go to our website at www.crtv.cm, Facebook, Twitter, Instagram. And we also invite you to, you know, visit some of our landscape. Cameroon has a lot to showcase. Take it. That was it for it. And see you tomorrow. À demain, 12h, madame, monsieur, avec un égal plaisir. Malgré nos efforts, despite our efforts, COVID-19 plunged many families into mourning and seriously hampered the functioning of our economy and society.
CRTV News, ici, toute l'info.